La deuxième édition du Salon international des épices et condiments d'Abidjan, SEPIC, s'est déroulée du jeudi 11 au dimanche 14 août 2022 à l'espace Bétani, situé à la Riviera Bonouma. Était présent à l'ouverture le roi de Bongouanou, Sa Majesté Nanangaza IV, Monsieur Louis-Gervais Anoma, chef d'unité du programme d'éducation de l'UNESCO et des responsables du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, dirigé par Monsieur Hatsin Yao Léon. Durant ces quatre jours, les producteurs, les transformateurs et les commerçants d'épices et condiments ont exposé leurs produits à la grande satisfaction des consommateurs. Pour le commissaire général du salon, Dr Émile Chikaya, le SEPIC permet de valoriser et promouvoir les épices d'Afrique en général et de la Côte d'Ivoire en particulier. Les objectifs, c'est déjà de faire connaître les vertus des épices, faire connaître tout ce qui est épices au niveau national comme international, sensibiliser à la consommation. Et également, à travers ce salon-là, c'est de mettre en connexion les différents acteurs qui travaillent dans le domaine des épices. Également, c'est un salon à travers lequel on va former les différents acteurs à travers des panels, à travers des conférences. Une raison qui explique la présence de l'UNESCO à la cérémonie de lancement ponctuée par des expositions, formations et dégustations. Selon Louis-Gervais Anoma, chef d'unité du programme d'éducation dans cet organisme onusien, représentant le directeur pays, Mam Omar Diop, son institution ne pouvait qu'accompagner cet événement. Ce que nous voulons aussi, nous avons ça en idée, hein, comment faire en sorte que la Tchéké, comme le Tchèbdjim, qui est maintenant patrimoine immatériel de l'UNESCO, la Tchéké soit aussi patrimoine immatériel. Nous avons beaucoup d'épices. Donc, nous avons des chercheurs, voir un peu qu'est-ce qui est vraiment du terroir ivoirien. La dernière fois, je disais à mon frère Chikaya, il serait bien de faire une carte de la Côte d'Ivoire avec dedans les zones où il y a des épices spécifiques à la zone. Maintenant, les bêtés et puis les guerriers vont se partager le chocon, puisque c'est à partir de ça qu'ils utilisent le même. L'eau, ça devient du cuir, l'eau, ça devient bon. Voilà. Donc, on a cette richesse-là. C'est pour ça que nous, UNESCO, nous sommes présents pour accompagner ça. Mais dans ce festival aussi, voir un peu tout ce qu'il y a comme opportunité, je n'ai pas dit d'emploi, de métier. Donc, en faisant référence à l'agriculture, du pépiniériste jusqu'à la production, à la transformation, on va voir là avec des stands. Cette richesse-là. Et l'UNESCO, c'est vraiment vulgariser les connaissances. Voilà. Vulgariser les connaissances. C'est en matière d'éducation, en matière de culture, en matière de communication, d'information et de science. Science humaine, donc ce qui concerne les relations de l'homme, mais les sciences qu'on appelle les sciences exactes. C'est tout ce qui est science, recherche scientifique. Donc, nous sommes dans tous les domaines, c'est pour ça que nous sommes là. Donc, au nom du représentant de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, M. Mam Omar Diop, je voudrais vraiment mes félicitations à M. Chikaya et puis vive le CEPIC. Il faudrait que ça nous pique comme il faut. Ce n'est pas le médecin anesthésiste réanimateur, Tetchi Yavo, professeur titulaire, qui dira le contraire. Actuellement, on reconnaît que la nourriture nous fait vivre. Mais c'est la nourriture également qui nous tue. La nourriture nous permet d'avoir des activités, mais la nourriture nous vieillit. Et tout à l'heure, en quelques petites images, j'aurai l'occasion de vous le présenter. Et donc, pour que la nourriture ne nous tue pas rapidement, et que la nourriture nous permette de pouvoir prendre de l'âge. Dieu a mis beaucoup d'ingrédients. Et parmi ces ingrédients, ce sont les épices. Et les épices ont des vertus inimaginables sur la santé. Et c'est maintenant qu'on a commencé à les découvrir. Je vous donne un exemple banal. Mon frère aîné a failli mourir. On l'a hospitalisé pendant des semaines dans une grande clinique. Elle est sortie, il ne pouvait même pas marcher. Et je l'ai mis systématiquement sous épices, sous curcuma. Et actuellement, il a laissé sa canne et vit.
Fait marquant pendant toute la durée du salon, le FIRCA était aux côtés des filières poivre et gingembre. En effet, l'institution financière du Système national de développement agricole, toujours présente lors des grands événements du monde agricole, était bien visible au CEPIC à travers l'animation d'un stand. Sur cet espace, le FIRCA abritait de façon privilégiée l'exposition des acteurs des filières poivre et gingembre. Participer à ce salon est d'autant plus important pour nous et pour nos producteurs que c'est une tribune pour présenter les différents produits. C'est une tribune qui nous permet de nous frotter avec le monde des consommateurs, bien sûr, et aussi qui nous permet de présenter nos produits. Selon les premiers responsables de ces filières, leurs organisations professionnelles ont saisi avec joie l'occasion à elles offerte par le FIRCA au salon pour exposer leurs épices au grand public. On remercie le FIRCA pour cette invitation. On remercie également les organisateurs de ce salon. En tant que transformateur, puisque ici il s'agit d'épices, en tant que transformateur, c'est une opportunité d'être là, mais également une occasion de faire connaître nos produits. Donc on encourage ce type d'initiative pour permettre à nos populations de savoir qu'elles peuvent consommer local et avec des produits de bonne qualité. On fait des efforts pour présenter nos produits dans des emballages de qualité. C'est souvent coûteux pour nous parce que c'est des emballages qui viennent de l'extérieur et ça rend nos produits plus chers que ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché. Donc je profite de cette occasion pour lancer un appel à nos autorités pour nous aider dans ce sens-là, pour nous permettre d'avoir des emballages de qualité à moins de coût, pour permettre que nous puissions proposer des produits de belle facture aux populations à moins de coût également. Pour Maître Bilé Kwame Félix, président de la Société coopérative des producteurs de poivre sélectionnée de Côte d'Ivoire, a révélé la saveur particulière de cette épice produite en Côte d'Ivoire. L'avocat producteur de poivre reconnaît que le FIRCA a contribué à la promotion de cette épice « Made in Côte d'Ivoire ». Nous avons essentiellement du poivre, mais sous plusieurs formes. Le poivre noir, le poivre blanc, le poivre gris. J'avoue que ces produits sont de très bonne qualité. Nous proposons ces produits depuis quelques années à la population ivoirienne qui commence à s'habituer à connaître le produit au plan national. C'est pour cela que nous sommes là. Il est beaucoup mieux que le produit même importé. Donc nous demandons à la population d'adopter ce produit et de s'habituer à consommer le produit local, qui est un produit de très bonne qualité, un produit de très bon goût, que tout le monde connaît désormais. Donc nous demandons à la population sincèrement de tout mettre en œuvre pour se l'approprier. Nous disons merci à tous les planteurs, à tous ceux qui ont participé, au FIRCA qui continue de nous encadrer, à tous ceux qui nous assistent au quotidien, nous disons merci. Pour rappel, le FIRCA finance des projets de recherche sur le poivre. Il s'agit entre autres du projet de constitution d'une collection et de caractérisation des ressources génétiques du poivrier de Côte d'Ivoire. À en croire Maître Bilé, d'environ 20 tonnes en 2011, la production de poivre est aujourd'hui estimée à 200 tonnes. Elle demeure relativement faible, toutefois, vu la consommation nationale de cette épice, qui s'élève à environ 300 tonnes par an. En ce qui concerne le gingembre, le FIRCA finance actuellement un projet de recherche sur l'identification de variétés aux producteurs et des techniques améliorées de production. Au niveau des pays Afrique-Caraïbes-Pacifique, ACP, la Côte d'Ivoire est le troisième plus gros producteur de gingembre après le Nigeria et le Cameroun. Le secteur agricole ivoirien, par le biais du FIRCA, continue de déployer des programmes afin de développer davantage les filières gingembre et poivre. Le commissaire général du CEPIC, Dr Émile Chikaya, promet apporter sa contribution dans l'atteinte de cet objectif.
Il annonce déjà la tenue de la 3e édition du CEPIC l'année prochaine afin de mieux valoriser les épices de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Surtout que ces exhausteurs de goût renferment des vertus pour la santé humaine.